Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous partager une petite réflexion que je mène sur comment vivre l'instant dans une société où les nouvelles technologies nous assaillent un petit peu de partout et souvent nous perdons un petit peu le contrôle un petit peu de notre vie en ne sachant pas comment utiliser peut-être au mieux ces outils de communication sans qu'ils nous empêchent de vivre l'instant justement. Nombreux sont les moments au cours d'une balade en forêt, comme je suis en train de le faire maintenant, ou alors des moments en famille, des moments ordinaires, où nous avons tout de suite comme l'impulsion de prendre l'appareil photo pour faire un petit film, une photo. Et tout à l'heure, je regardais ce magnifique soleil avec les nuages, et m'est venue l'impulsion, prends l'appareil et prends une photo. Et une partie de moi s'est dit non, laisse vivre cet instant en toi simplement, en prenant peut-être au niveau du cœur avec une grande inspiration, laisse-le vivre cet instant. Permets-toi de le vivre sans forcément utiliser un appareil photo, et pour, comme si nous voulions créons l'illusion d'immortaliser un instant, nous empêchant de le vivre. Puisque nous savons que quand la pensée vient, prendre l'appareil photo, il y a quelque chose qui nous empêche, qui nous sort de cet instant pour entrer plutôt dans quelque chose de la sphère émotionnelle, conceptuelle aussi, dans l'idée d'avoir une photo, de la partager après, si bien que ça devient plus important que l'instant lui-même. Donc, je ne suis pas en train de dire que prendre des photos est quelque chose de mauvais, mais simplement en train de mener la réflexion sur le fait que par moment, on peut peut-être sentir cette impulsion qui nous dit « prends une photo ». Et peut-être qu'on peut garder simplement cette impulsion intérieure qui fait que ce moment est précieux. Et c'est pour ça qu'on voudrait prendre une photo. Mais si on reste simplement avec cette idée de « l'instant est précieux, ce que je suis en train de voir, de vivre est précieux », et on peut continuer à porter ce moment en soi, sans pour autant prendre une photo immédiatement. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Je vous souhaite à tous une très très belle journée.